Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être encore une fois sur Star Stable Online et qui va parler de la nouvelle mise à jour d'Halloween. Et donc du coup, on va faire quelques quêtes et aller voir les boutiques et un peu toutes les décorations. Donc tout d'abord, j'aimerais bien commencer par les écuries. Puis ensuite, je vous donnerai une petite astuce pour avoir une poudre pour transformer votre cheval gratuite. Donc je vous expliquerai ça après. Donc là, on va dans l'écurie. Donc là, il y a des décorations avec des fantômes et des chauves-souris. Et à peu près vers tous les box, il y a des grosses citrouilles et ainsi que sur l'armoire où il y a tous nos vêtements. Et il y a comme plein de toiles d'araignée et une sorte de liquide vert qui sort de l'égout. Je sais pas trop ce que c'est vraiment chelou. Mais au moins c'est bien, ils ont décoré, pas comme l'année dernière. Donc ça c'est vraiment bien je trouve. Et j'avais pris plein de photos parce que c'est vraiment trop beau. Par contre je suis désolée pour la qualité de la vidéo. Mais c'est que mon appareil il a des problèmes en ce moment et du coup c'est pas trop une bonne qualité quoi. Donc on va passer tout de suite au magasin et je vais vous montrer tout ça plus la petite astuce. Donc vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est décoré partout, il y a plein de citrouilles et tout. Voilà, donc les petits stands ils sont ici. Donc ici c'est un stand où il y a des masques à vendre. Donc c'est pour s'acheter tout notre équipement Halloween. Et moi je me suis acheté plusieurs masques. J'en avais un de l'année dernière qui était de la Saint-Patrick. Bon c'est pas trop Halloween, c'est un farfadet comme ça. Et je m'en suis acheté un autre cette année en forme de citrouille qui est bien rigolo. Alors je vais le mettre. Et donc il coûtait 100 shillings d'Urbicois, donc c'était pas un Starcoin, ça allait. Et ensuite dans notre boutique, vous voyez il y a comme une petite potion et tout. Et là par contre il faut payer en Starcoins. C'est pour pouvoir transformer votre cheval de base en squelette, en momie et en zombie. Donc moi je vais vous montrer comment en avoir une gratuite. Et vous pouvez aussi avoir des effets spéciaux mais ça je sais pas comment vous pouvez les avoir. Alors vous savez il y a des quêtes que Madame Holdsworth elle vous a donné. C'est à dire trouver les petits fantômes perdus. Et il y en a un qui va vous donner une poudre de cheval momie. Une poudre de cheval momie ici. Et je vais vous montrer où est-ce qu'il est le petit fantôme et... Et comme ça, vous pourrez en avoir une gratuite, vous aussi. Donc, je trouve ça vraiment pas mal qu'ils en aient fait une gratuite parce que c'est un peu énervant de payer des Star Coins. Alors, rien que pour une poudre qui dure 15 minutes, alors qu'on pourrait avoir un cheval ou des beaux équipements. Moi, je pense que c'est mieux de l'avoir gratuite. Donc, du coup, je vais vous montrer tout de suite où est-ce que c'est. Donc, c'est à Firgrove, village de Firgrove. Puis ensuite, on fera quelques quêtes, on trouvera quelques tomes ensemble. Mais il faut pas trop que la vidéo dure longtemps, j'ai plus beaucoup de place sur mon appareil. Donc c'est à Firgrove et je vais vous montrer le chemin et comme ça vous pourrez en avoir une gratuite. Par contre je sais pas si vous aurez la même que moi, celle de zombie, vous me direz en commentaire laquelle vous avez eu. Parce que vous pouvez, moi j'ai eu celle de la momie pardon. Vous pouvez avoir aussi celle zombie ou alors la poudre, comment c'est l'autre, je me souviens plus. Il y a le zombie, ah et puis le squelette. Du coup vous me direz. Mais de sûr vous en aurez une, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon cheval de base, parce que la poudre elle fonctionne que sur les chevaux de base. Du coup là vous voyez c'est la vieille piste de Firgrove. On y va. On continue. Là hop. Ouf mince. Donc là c'est comme si on faisait la course en fait. Hein. Voilà. On continue toujours tout droit. On continue. Voilà. Et donc ma prochaine vidéo, je pense que ce sera une vidéo encore une fois Star Stable et je ferai l'achat d'un cheval. Et donc du coup, faudra me dire en commentaire quel cheval vous aimez et peut-être que je l'achèterai. Mais moi je pensais que je me prendrais un Hanoverien parce que je les trouve vraiment beaux. Vous me direz lequel vous préférez entre le blanc, le noir, le bai, le alezan. Parce que moi je pense plutôt le prendre le noir, il est vraiment joli, j'aime les chevaux noirs comme les frisons. Et vous me direz tout ça en commentaire. Donc là, on arrive vers comme une maison avec plein de barrières. Et il y a plein de chiens. Là, il y a plein de chiens. Voilà. Donc on continue toujours. On suit le chemin. Donc je suis désolée comment j'ai équipé mon cheval, mais c'était le seul équipement qui me restait. Puis je trouvais que ça lui allait bien. Voilà. Donc je suis désolée pour la qualité de la vidéo. Vraiment, mais je suis désolée, mais c'est mon appareil qui est vraiment de mauvaise qualité. Mais donc là, vous continuez le chemin. Toujours, hein.
Donc, et comme ça, vous aurez la poudre gratuite. Donc, c'est vraiment super. Voilà. Donc, toujours tout droit. On continue le chemin. On continue, on tourne. Et puis, à un moment, là-bas, vous verrez une petite grotte, là, comme ça, avec comme un gros tracteur jaune. Et c'est là-bas qu'il est, le petit fantôme. Et quand vous vous approchez, il apparaîtra et vous pourrez lui parler et il vous donnera la poudre gratuite. Donc vous vous approcherez ici, il y aura un point vert au-dessus de sa tête, vous cliquerez et il vous donnera la poudre gratuite après que vous avez fait la petite quête. Et donc je vais voir comment ça marche la petite poudre parce que j'ai jamais testé, j'en avais pas acheté. Donc à mon avis, je crois qu'il faut descendre de notre cheval et on doit cliquer sur la petite poudre. Ils disent cet objet fonctionne uniquement sur son cheval de départ. Et hop, là, ça devient vert. Et là, j'applique la poudre. Oh, waouh! Il s'est transformé en momie. Ah, oh, c'est vraiment super. Ça y était pas avant. Oh, il est vraiment stylé. Oh, j'ai un cheval momie. Et donc, ça durera que 15 minutes. J'aurais bien voulu que ça dure tout Halloween. Bon, c'est déjà pas mal d'en avoir un gratuit, donc on va pas se plaindre. Oula, ça va y tout tomber. Donc, on va pas se plaindre. Oh, c'est vraiment rigolo, je trouve. Un cheval momie. Et donc, vous aurez aussi une poudre de cheval momie, ou alors d'un autre. Et vous me direz si ça vous a plu que je vous donne ce petit tuto comment avoir une poudre gratuite. Et ensuite, là, nous allons aller faire une petite quête, trouver un petit fantôme pour voir. Et ce sera tout parce que après ma vidéo va durer trop longtemps et je pourrai pas tout stocker. Du coup là on va se téléporter à Morland et puis d'ici là on ira à Fort Pinta parce que j'avais aperçu un petit fantôme dans le cimetière et du coup j'aimerais bien aller le voir pour voir ce qu'il va me donner, s'il va me donner une autre poudre ou s'il va me donner des équipements. Donc voilà, donc on va y aller. Et donc ça faisait quand même longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Mais là, je suis revenue, donc c'est le principal. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment super qu'on puisse transformer notre cheval en cheval momie, cheval avec des effets spéciaux, avec des petites chauves-souris et tout. C'est vraiment cool, je trouve. L'année dernière, on pouvait pas, et ça, je trouve que c'est pas mal. Et c'est là, on avait vu aussi sur le site de Star Stable qu'il y allait avoir une nouvelle région qui allait s'ouvrir, donc ça c'est vraiment pas mal. Bon, j'ai toujours pas Epona, mais on est content quand même d'en avoir une autre qui s'ouvre. Donc ça va être vraiment super, ils ont dit, dans les futures mises à jour. Ouf! Et donc là-bas, on va aller dans le cimetière et on va aller voir s'il n'y a pas le petit fantôme que j'ai vu la dernière fois. Ouf! Voilà, donc on y va. Alors, je me demande s'ils restent toujours à la même position ou alors s'ils vont bouger. Donc, je l'avais vu ici. Ah, voilà, vous voyez, quand vous serez à l'endroit où je vous avais montré, il apparaîtra comme ça. Donc, quand vous vous approchez, il apparaîtra. Et il aura une petite quête à vous donner. Hop. Vous devez cliquer dessus. Donc, ils sont vraiment mignons, ils ne font pas peur. Alors, murmure, murmure, murmure. Tu chuchotes la formule que Madame Holdsworth t'a appris. Oh, quoi? Où suis-je? Je n'ai pas chez moi. J'en semble perdu. Oh, je vois le chemin vers ma maison. J'y vais tout de suite. Attends, qui es-tu? Est-ce toi qui m'as parlé? Est-ce toi qui m'as sauvé? Merci, mais je dois retourner chez moi. Prends ce cadeau. D'accord. Adieu, adieu, adieu. Bon, par contre, ils disent toujours la même chose. Voilà. Hop, il est parti. Donc, qu'est-ce qu'il m'a donné comme cadeau? Ouh, ça a failli tomber encore une fois. Il m'a donné. Non. Oh, il m'a donné un masque de momie. Oh, je suis assortie à mon cheval comme ça. C'est vraiment trop drôle. Voilà, je pense qu'il y aura le haut et le bas. Oh, c'est vraiment super. Voilà, donc j'ai un cheval momie et j'ai le masque de momie. Donc c'est vraiment drôle. Vous me direz si ça vous a plu. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo qui sera sûrement samedi prochain. À plus et merci aux 2700 abonnés. À bientôt.